Indienne, vraiment une sainte, une grande sainte, véritablement, non seulement c'est une femme qui est proche de Dieu, mais elle est si proche de ses frères humains dans la misère et dans la détresse. C'est une authenticité. Et hier, le film que l'on a passé dans la grande salle là, m'a émue aux larmes. D'accord. Parce qu'elle n'a pas hésité à aller au Japon, aller au bord de la mer. Elle n'a pas hésité en se disant, je vais être peut-être contaminée. Elle est sur tous les terrains. Et ça, c'est un peu unique au monde. Mère Teresa a beaucoup aidé l'Inde, mais je crois qu'Ama dépasse encore Mère Teresa. D'accord. Et en juin 2010, suite aux inondations à Draguignan, nous sommes réunis une dizaine de volontaires pour aider des personnes qui étaient en difficulté. On s'aperçoit que grâce à Ama, grâce à ce lien, on peut encore être solidaire, on peut encore apporter notre aide, on peut encore donner du temps pour les autres, alors que c'est une valeur qui malheureusement dans la société commence à disparaître de façon difficile. Une réaction de la première maison là, qu'on a nettoyée, le père m'a dit, mais je ne croyais pas que c'était possible aujourd'hui de voir tant de solidarité.